Bonjour, aujourd'hui je vais faire du studio avec vous. Comme d'habitude, avec Espèce, avec FL Studio, pardon, FL Studio. Voilà, donc aujourd'hui j'ai un porte-micro, comme ça au moins ce sera plus facile que vous m'entendiez avec ce micro. Je vais faire du rap avec ce micro et aussi il y aura ma soeur un moment. Donc, aussi mon cousin. Voilà. Voilà, tout ça. Donc, aujourd'hui, on va faire les voix. Donc, j'ai déjà commencé FL Studio. Là, c'est la playlist d'arrangement. Je voulais même pas faire ça. D'ailleurs, je vais tout enlever avec vous. Je fais comme ça, je clique. Comme ça. Je mets supprimer. Voilà, aucun truc. Ensuite, au début, il faut les mettre que les seuls kits qu'on fait. Mi, do. Ah oui, vous allez écouter ce que ça va donner. Donc, je mets le FL Keys deux fois. Ensuite, je mets les trucs les plus calmes. Mon truc préféré, c'est le kick que j'ai mis. Il y a aussi des croches. J'aime bien les croches que j'ai mises. Voilà. Surtout, ça doit être bien placé. Bien. Alors, voilà. De toute façon, Winnie, elle va tenir le micro en main. Donc, moi, je tiens mes deux mains. Je ne peux pas utiliser, prendre le micro à une main et faire le truc. J'ai besoin de mes deux mains pour faire. Donc, j'ai pris un porte-micro. Voyons voir si tout est bien placé. C'est bien placé. Je vais vous montrer ce que ça donne au début. Voilà, ça va donner ça. Je mets le kick, le clap, le hi-hat. Donc, j'ai déjà mis le speed by Chanel, le snare. Ah non, 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 non. Le clap, je l'enlève. Le hi-hat, il va à la place du clap. Le boubass. L'autre basse. Qui veut remplacer une note. Ah, pas le gros piano, bien sûr. Et aussi, bien sûr, FL Keys. Pas le crash. Voilà. Ensuite, je vérifie que tout est bien placé. Donc, je vais rapprocher un peu comme ça. Non, non. Voilà. Je fais super attention que ce soit bien placé, bam, dans le temps. Mon père, il a une application de notes. J'en fais dessus. Ensuite, je fais contrôle B avec soin. Voilà, j'ai copié quatre fois. Je pense que ce sera bon. Ça, tu restes au début, tant que les gens n'ont pas écouté. Après, c'est ça, le final. Donc tout. Ça veut dire le kick, le clap. Le snare, le hi-hat. Oh, je les ai inversés. Bon, c'est pas grave. Oh, mais ils étaient déjà inversés. Ah, j'avais pas vu alors. Ça veut dire que j'ai commencé dans le désordre. Le grand piano,
et celle qui est la guitare, la deuxième guitare. Vous savez, je les trouve où? Je vais dans instruments, je mets guitare, keyboard, voilà. Basse, il y a plein de basses ici, plein de guitares et aussi plein de pianos. Voilà, c'est pour ça que j'en prends ici. J'en prends. Maintenant, je vais vous faire écouter. Tant que je copie. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le bout basse. Ah, j'ai vu. Le bout basse, il est pas bien placé. Le bout basse n'est pas bien placé, c'est juste ça. Voyons voir. Il n'était pas dans le temps. Il n'était juste pas dans le temps. C'est pour ça. Voyons voir ce que je peux faire encore. Ça doit être dans la mesure. Dans. Voilà, c'est dans la mesure. Pam. Directement. Là, c'est dans la mesure. C'est pour ça que c'est pas dans la mesure. Voilà. Ça doit être dans la mesure maintenant. Même le hi-hat n'est pas dans la mesure. Voyons. Ah, ah. Même là, c'est pas dans la mesure. Il faut que je regarde aussi le derrière. C'est très important. Comme ça, quand je vais copier, ce sera bam. Tout sera bon, aucun problème. Faut que je descende encore. Après, il y aura encore le crash. Attends. Ah, j'ai oublié. C'était ça qui manquait. La musique n'était pas très bien placée. Sans le crash, la musique n'est pas... truc. Voilà, tout est placé. Le derrière est bien. Voilà, je peux copier. Ok. S'installer. Voilà, s'installer. Oh. C'est pas dans la mesure le. Faut que j'aille un peu devant. Ah. Non, mais j'ai pas dit d'aller dans le piano roll. Retournons ici. Comme ça. Regardons encore le devant. Voilà. Maintenant, je peux encore copier. Ok. Ça doit être tous dans la mesure. En même temps. Bam, c'est dans le temps. Attends. Voilà. Faut pas que ça soit beaucoup bruni. Voilà, maintenant vous pouvez écouter. Et je voulais vous dire que aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on fait pour enregistrer les voix.
sera facile. C'est pas mes techniques que j'utilise. Il y a une autre technique. Le son est meilleur. On dirait que tout n'est pas dans le même temps, surtout le kick, mais je les avais bien placés. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout est bien mis. Je comprends rien. C'était le ré. Très bien. Ça, c'est le mute solo. Il y en a aussi là. On fait comme ça. Solo. Tout. Là, c'est le kick en solo. Attends, je recommence. Tu enregistres. Est-ce que tu enregistres en MP4 comme tu veux publier? Oui, oui. Tu enregistres tout. Oui, oui. Mmh. D'accord. Ok. Alors, où j'en étais? C'est bien comme ça. C'est mieux comme ça. Mmh. Alors, j'en étais là. Écho. Là, je mets. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas précisé. Il faut bien préciser tous les trucs. C'est pour ça que c'était pas bien. En fait, ça fait ta la la ta. C'est pour ça que c'était pas bien. Ça fait ta la la ta. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Il faut que je fasse ça.